Le temps dégagé par le changement des rythmes scolaires se nomme désormais les NAP, nouvelles activités périscolaires. Le service enfance-jeunesse de Mortagne a été chargé de la mise en œuvre de ces nouveaux temps d'accueil. Les trois écoles de Mortagne ont organisé leurs horaires en fonction de l'âge des enfants et de leurs besoins. À Chantefleur, les enfants ayant moins de 6 ans, les activités ont été organisées sur des temps de 20 à 25 minutes en fin de journée. Dans les écoles d'Evrune et de Robert Desnos, deux types de temps ont été programmés. Les nappes courtes sur une durée de 30 minutes et les nappes longues sur une durée de 1h30. Cette organisation a été vue en relation avec les directeurs d'école et donc les élus. Et c'est au bout d'une année, voire deux années de travail, c'est ce qui a été validé ensuite et par l'inspection académique et par les élus ici à Mortagne. Alors, au niveau des naplons, donc on est parti sur des activités très variées. Donc en fonction, les animateurs sont répartis avec les différentes classes. Depuis le début de l'année, il y a par exemple eu du cirque, beaucoup d'activités manuelles, donc notamment avec du point de croix, des bricolages manuels, des masques. Il y a eu aussi des rencontres avec des différentes associations sportives, donc notamment du hand, de la gym. On y fait aussi du théâtre pour les plus grands. On a mis en place aussi des activités avec des différents jeux collectifs et des grands jeux qu'on a adaptés pour cette tranche d'âge-là et puis pour le temps d'activité. Et puis au niveau des nappes courtes, en fait, les nappes courtes, c'est plus un temps où notre rôle est de proposer des activités aux enfants, mais aussi de les laisser libres. C'est vrai que ces temps-là, en fait, les enfants sont plus dans la cour. Et là, on leur propose des petits jeux rapides comme le ballon, comme le foot, comme le frisbee, comme des contes. On leur propose aussi de faire du bracelet brésilien, des Scooby-Doo, etc. Et là, en fait, les enfants sont plus libres. Ils ont le choix d'aller vers ce qu'ils veulent et ils ont le choix aussi de ne rien faire et de rester dans la cour, simplement à discuter avec leurs copains et leurs copines tranquillement. Sinon, on les prend à 4h moins le quart jusqu'à 4h30. Et donc, toute la semaine, il y a deux activités spécifiques qui sont proposées tous les jours. Et après, les enfants peuvent choisir d'aller jouer dehors. On leur propose aussi des jeux. Et puis après, il y a aussi des coloriages à pâte à modeler. Les enfants peuvent choisir. Il n'y a pas de contrainte pour les enfants. Ils peuvent vraiment, ils sont libres de leur choix. En plus des animateurs et des ATSEM, la commune a fait le choix de faire appel à des associations mortagnaises pour prendre en charge et animer des ateliers spécifiques auprès des enfants sur les temps de nappe de 1h30. Alors ça, c'était une des grandes volontés de la commission rythme scolaire qui a été créée sous l'ancien conseil municipal, qui a été reconstitué dans le cadre du nouveau. Et notre volonté, c'était de faire appel à nos associations qui sont riches en qualité et qui, pour nous, avaient tout intérêt à trouver leur place à ce moment-là pour faire... pour montrer tout simplement ce qu'ils peuvent faire. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, certaines associations ont de nouveaux licenciés grâce aux enfants qui ont intégré les NAP et qui ont découvert leur sport. Les enfants réagissent bien, ils sont à l'écoute, c'est une nouvelle chose pour eux, ils ont envie de voir, de toucher, de faire, donc c'est très intéressant. Les associations sont indemnisées et interviennent selon leurs possibilités de planning et les besoins de temps qu'elles peuvent avoir pour créer un projet avec les enfants. La commune participe à 77% du coût des nappes, donc ce qui est énorme. Ne sachant pas trop où on allait, on est parti sur un coût à l'élève de 15 euros, ce qui est peu, mais qui convient certainement à certaines familles. Je ne dis pas que dans le temps, il ne sera pas revu, bien évidemment, mais pour l'instant, c'est ce coup-là. Et notre souhait, c'est de voir comment fonctionnent les nappes. Si tout le monde s'y retrouve, c'est notre priorité. Pour l'année prochaine, il y aura quelques changements. C'est que dans le cadre du PEDT, nous travaillons en collaboration donc avec les écoles. Et donc, il va y avoir des projets communs et à l'école et dans le cadre de Chapi-Chapeau. Et pour ces projets, on a mis en place, donc ce sera autour du jardin citoyen pour deux années et également pour en même temps une intervention autour des arts plastiques avec pour thème la nature. Et donc chaque partenaire en fait va travailler différents outils pour peut-être finaliser par une exposition. Et la deuxième année, il y aurait création d'un blog commun à tous les enfants qui fréquentent et l'école et Chapi-Chapeau.